Ok, salut à tous, c'est Okonai, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo encore une fois assez spéciale, car on va parler des sites qui peuvent vous aider vraiment sur League of Legends. Alors, j'en ai retenu 5 parmi les 154 qu'il y a sur Internet. Il y a une liste énorme sur, par exemple, une page de Reddit. Je vous la mets dans la description de la vidéo si vous voulez en avoir plus. Mais moi, j'ai fait le tri et il y en a certains qui sont vraiment très utiles. Et il y a des questions qui reviennent souvent dans mes messages. Et du coup, la réponse est souvent dans ces sites-là. Alors, on va commencer avec le premier site, c'est Best Ban. Alors ça, c'est si vous êtes perdu et que vous ne savez pas quoi ban, en fait, le site va vous dire quels sont les meilleurs bans, ou en tout cas les bans les plus populaires dans chaque division. Par exemple, là, on a les top bronze ban. Donc là, on peut voir qu'il y a du Zac. Bon, Zac est partout apparemment. Il y a de la Sona jusqu'en silver. Apparemment, elle est dérangeante. Il y a du Draven parce que ça snowball, je suppose. Miss Fortune parce que peut-être qu'on se stack avec son ultime. Je sais pas. Yasuo aussi qui est très dérangé en silver, etc. Du coup, vous pouvez voir ça. Vous pouvez sûrement cliquer dessus pour voir tous les bans. Donc c'est vraiment super stylé. Donc si vous savez pas quoi ban, bah, c'est vraiment un bon site parce que c'est très visuel et au moins vous avez directement le truc. Ok, maintenant deuxième site et ça c'est mon préféré, je l'utilise tous les jours à presque toutes les parties, c'est ultra important, il fait plein de choses, c'est op.gg, c'est juste 4 lettres avec le point au milieu. Alors en fait le truc c'est que vous allez déjà pouvoir voir vos statistiques à vous. Bon, par exemple, là, on peut voir mes parties. Bon, je suis dégueulasse en ce moment. Horrible, toutes les défaites que j'ai faites, c'est pas très grave. On peut voir, par exemple, bon, les lows, etc. Les win rate de vos personnages. Mais surtout, alors, vous pouvez voir votre MMR. Donc, le MMR, c'est en fait... oula, comment je pourrais expliquer ça? C'est un peu le niveau que vous méritez, dépendamment des victoires et défaites. Donc là, j'ai pas un MMR trop haut ni trop bas. Je mérite mon MMR. Donc bon, c'est normal, j'ai fait des défaites, j'ai perdu un petit peu le MMR que j'avais. Et là, il me dit, normal, maintenant votre MMR dépend de comment vous jouez. Et en fait, plus il est haut, plus vous allez gagner de points. Et vous allez peut-être même pouvoir sauter des divisions. Mais plus il est bas, bah, moins vous allez gagner de points quand vous allez gagner. Par exemple, moi, des fois, je gagne 25 LP. Bah, si, par exemple, j'avais un MMR de 1700 en Platinum 2, bah, je gagnerais peut-être 10 points et j'en perdrais peut-être 15. Bon, c'est peut-être pas les chiffres exacts, mais c'est pour ça qu'il faut faire très attention au MMR. Et des fois, votre MMR est tellement bas qu'on comprend même plus pourquoi on gagne plus de points d'LP. Voilà, ça c'était la réponse à certaines questions qu'on m'avait posées. Donc là, vous pouvez voir les combats. Vous pouvez voir vite fait les dommages qui a été fait. Vous pouvez voir aussi les builds qui a été fait. Donc là, par exemple, par moi, on peut voir les builds. Donc c'est intéressant, par exemple, si quelqu'un vous avait détruit avec une Riven, bah, vous pouvez voir les builds qu'il a fait. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi les, en haut à gauche, champions analytiques. Ça, c'est ultra important. Quand je me décide de jouer un nouveau champion, je trouve ça trop bien. Par exemple, je me décide de jouer Riven. Donc là, par exemple, je fais CTRLF et je tape Riven dans la barre de recherche. Comme ça, j'ai pas besoin de la chercher. Vous pouvez aussi cliquer ici pour top, comme ça c'est plus simple, il y a moins de choix et vous savez qu'à Riven c'est joué au top. Donc on clique sur Riven, et là en fait c'est génial parce qu'en fait le site a fait, comment dire, un regroupement de plein de parties de joueurs qui jouent Riven, et il va vous dire, par exemple là il y a 77% de gens qui commencent, qui montent le Q, le E et le W dans cet ordre là. Donc ça c'est très important parce que, et en plus avec le winrate qui va avec, comme ça, vous êtes sûr de ne pas être dans la mauvaise direction. Ça vous donne une piste. C'est peut-être pas la meilleure, dépendamment du match-up, de votre équipe, etc. Des fois, quand vous êtes un OTP, donc un One Trick Pony, qui a presque 3000 parties avec Riven, bah là, vous allez peut-être vous dire, ah, c'est peut-être mieux de commencer W sur ce match-up-là, etc. Bon, ça, c'est à vous de voir après. Mais là, au moins, le site vous donne une piste. Par exemple, pour les Summoner Spell, Flash Téléportation, 94% le prennent. Certains prennent Ignite, ça dépend encore une fois du match-up. On vous donne le starter. Au niveau des items, le core build, voilà. Alors ça, on me le demande très, très, très souvent. On me dit, hey, qu'est-ce qu'il faut que je build avec Harry? Qu'est-ce qu'il faut que je build avec... Allez sur ce site et on vous dit justement quoi build. Alors, il y a différents builds. Par exemple, ici, on commence avec une Yumu. Peut-être parce que c'est un match-up assez simple. On peut snowball. Là, par exemple, le couperet noir, c'est peut-être parce qu'on est contre un tank, qu'on a besoin de points de vie, je sais pas. Là, on a pris une danse de la mort. Bah, peut-être qu'on a besoin de vol de vie, de réduire de 30% les dommages. Les dégâts, je veux dire... sur la durée, j'en sais rien. C'est à vous de voir les builds qu'il faudra prendre, par exemple un ange gardien en troisième item. Donc c'est à vous de voir, dépendamment de la situation.
donc ne prenez pas tout le temps le premier. Bref, on vous donne aussi les bots les plus prises, apparemment Tabi Ninja, mais vous n'allez pas prendre Tabi Ninja contre un Vladimir. Bon, après, ça dépend de l'équipe adverse. Bref, je ne reviens pas là-dessus, vous avez compris. Pareil pour le décret, ferveur, etc. Ça dépend du match-up. On vous donne aussi les runes, c'est ultra complet. On vous dit aussi les meilleurs joueurs avec les picks, par exemple Loli Lelouch. Vous cliquez dessus et apparemment ce joueur joue énormément Riven. Bon, là, mauvais exemple, il a full perdu, mais c'est pas sa faute. Mais étant donné que c'est par exemple un joueur master, vous pouvez voir une de ses parties avec la petite icône ici. Donc ça peut être super intéressant. Par exemple, là, il est en 9-3, il était contre un chêne, on peut voir le build qu'il a pris. Il a pris une épée longue, donc déjà ça c'était pas dans les recommandations je crois. Il a pris 3 potions, il est parti couper noir parce que c'est un tank chaîne. Donc c'est intéressant, il a pris du vol de vie pour pas se faire non plus trop substain. Enfin bref, c'est ultra cool comme site. Il y a plein de trucs, il y a des statistiques, bon ça j'y vais jamais mais vous pouvez aller les voir. Il y a le classement des meilleurs joueurs, ça peut être très intéressant. Par exemple regardons le premier serveur NA, Pobelter. Donc là, on peut voir qu'il est numéro 8 de je ne sais pas quoi. C'est peut-être la globalité, ça m'étonnerait. Je pense que c'est juste peut-être en LCS. J'en sais rien. Et on peut voir, par exemple, c'est son champion de pool, les games qu'il a faites. Donc encore une fois, on peut voir une de ses parties, 6-1-8. Bon, la vache, c'est intéressant. En challenger, faire 6-1-8, c'est pas donné à tout le monde. Il est top damage en plus, donc il a carry. On peut voir son build. Et pour plus d'infos, on peut voir la game. Donc là, il y aura juste besoin de... copier, bon là apparemment il y a peut-être une pause, non voilà, on copie le truc, on le fout dans le terminal, et on peut voir la partie en balançant le client, etc. Donc voilà, ça c'est un site super, super important, j'utilise vraiment tous les jours, donc je vous le recommande beaucoup. Maintenant, autre site qui ressemble un peu à ça, c'est champion.gg. Alors ça je m'en sers quand je me dis, ça me paraît bizarre, j'ai l'impression que le site est peut-être pas à jour ou que les gens ont faux. Par exemple ici, pour Even, on m'avait donné différents builds. Et ben là je clique sur Even, donc là on me dit à peu près les mêmes choses que sur op.gg d'une certaine façon. Donc là on me dit les sorts qu'il faut monter, donc la même chose. Et là par contre on me dit most frequent core build, donc les objets les plus pris actuellement. Et ben, je m'aperçois que c'est quand même assez différent. En plus il me donne les 6 objets par contre ici. Donc ça c'est encore plus intéressant parce que l'autre il me donnait que 3. Donc là on peut voir qu'il commence par couper noir, d'accord, elle a besoin de vie, la CDR c'est super important, la réduction d'armure avec la pénétration, les bottes pour prendre moins cher, enfin bref, ce site est quand même super important aussi, c'est comme si vous lisiez plusieurs journaux, il faut se donner une opinion sur les différents sites et c'est à vous de vous dire quel est le mieux, donc à vous de tester tout ça. Donc voilà, champion.gg c'est aussi un super site, je vous le recommande beaucoup. Sinon, un autre site assez amusant, c'est WardScore. Alors ça, c'est quand même assez cool, parce que par exemple, on met Oko Stock Plat 5, donc ça c'est mon Smurf, en NA, donc ça par exemple, vous allez mettre EU West pour vous. Et là, on peut voir en fait, si vous êtes bon, ou plutôt si vous wardez, donc si vous placez des balises de vision pour avoir plus de vision, hein, justement, si vous êtes bon et si vous le faites. Alors par exemple, moi, ça passe apparemment, c'est cool, mais par contre, en tank, et en fighter, donc par exemple les trucs comme Fura, Riven, et les tanks genre Maokai, Shen, Malphite, bah je pue du caca. Et en fait là c'est vrai que c'est très intéressant parce que les dernières parties que j'ai joué top, bah j'ai perdu, et je me faisais souvent gank parce que je ne wardais pas. Bah, comme ça peut me remettre en question, et je trouve ça super important. Et oui d'ailleurs, je vais devoir commencer à ward. Donc voilà, et par exemple si je prends quelqu'un, alors c'est pour vous dire que le site marche correct. Si on prend par exemple un abonné, qui est sur Discord, qui m'a autorisé à prendre. Il est bronze 4, et en bronze, on a l'habitude de pas vraiment warder, et on perd souvent à cause de ça. Et on va voir que, vous voyez, il y a des problèmes au niveau des wards, et justement, ça peut vous dire, ah mais attends, ça... d'accord, je ward pas, donc c'est important. Ok, dans cette partie, je vais essayer de mieux ward. Comme ça peut, comment dire, vous pousser à mieux ward, et je trouve que c'est quand même assez rigolo à regarder. Donc ça, c'était WardScore. Et pour finir, nous avons... alors un site, ça c'est un peu kikoulol. Alors LOL Skill c'est cool parce qu'en fait si vous avez joué par exemple 2000 parties avec un champion, que vous avez un bon win rate, que vous avez des bonnes stats, et bah vous serez peut-être dans les meilleurs joueurs de ce personnage. Par exemple je suis avec Pobelter encore. Par exemple ici avec Pobelter, il est numéro 162 avec Syndra. Bon c'est pas ouf pour un numéro 1, mais c'est parce qu'en fait il joue tellement de champions, c'est normal, c'est un joueur LCS, c'est un joueur professionnel, il peut pas se permettre de jouer un champion, sinon l'équipe en va, s'il va le ban, et c'est bon, il a perdu, quoi.
Donc en fait, vous voyez qu'il est vachement bon sur pas mal de personnages, mais il y en a, c'est des numéro 1. Et ça a beaucoup de mérite et je trouve ça cool d'être, par exemple, top 200 des meilleurs joueurs au monde. Je trouve ça quand même assez stylé, par exemple, pour Faker. Faker en Corée, donc c'est quoi? C'est Hide on Bush, le compte de Faker. On fait, alors, Search Summoner et pas Search Game. Et ne faites pas entrer parce que sinon ça va par défaut Search Game. Et là, on peut voir que Faker, c'est à peu près pareil comme Pobelter. Il joue énormément de champions. Numéro 136 mondial avec sa Katarina, etc. Donc voilà, lui, il joue masse champion. Mais il y a des OTP avec 2000 parties, bah ils vont être numéro 1 ou 2. Et ça, je trouve ça vraiment drôle. Donc voilà, c'était les 5 sites que je vous conseille fortement sur League of Legends pour vous améliorer. Il y a même des trucs fun, vous avez vu. Donc je vous laisse avec ça. Je voulais vous dire, par contre, il y avait des sites à éviter aussi. Par exemple, les sites comme MobaFire. Le problème, c'est que parfois, c'est des guides faits par... des gold, des plates, ou même des diamants, mais c'est peut-être un diamant qui a joué 10 fois le personnage et qui sait pas de quoi il parle. Donc faites très attention quand vous regardez un build, des fois c'est peut-être n'importe quoi le build, donc faites attention. Pour Pro Build aussi, Pro Build c'est par exemple, c'est des pros, où on peut voir les builds qu'ils ont fait, etc. Ça faites très attention aussi, parce que parfois c'est pas parce qu'il est pro qu'il maîtrise le personnage, peut-être qu'il a, joué 10 fois son personnage et il sait pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il n'a pas poussé la question au niveau du theory crafting, etc. Donc faites attention à ça. Aussi, ça dépend de l'équipe adverse. Peut-être qu'il a pris de la résistance magique, donc ne prenez pas de résistance magique s'il y a un Trick Damer en face et que vous êtes un Malphite. Enfin bref, il y a des trucs assez logiques. Donc faites attention à ce que vous regardez. Des fois, c'est peut-être un peu n'importe quoi. Sur ce, je vous laisse. C'était Okonai. Merci d'avoir regardé la vidéo et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.